met les lunettes de soleil. Et on va être parti pour le Teachers. Oh putain, je sens la fièvre du Teachers qui monte en moi. Qui est-ce qui vient de rentrer dans le bureau là? Moi. Ah ouais, t'es comme ça toi? Ouais, bah en fait, je me suis tiré une bûche. Tu te sers une bûche? Ouais, bah en fait, c'est un expression québécoise pour dire que tu prends une chaise. Ah, tu prends pour t'asseoir. Et vous avez tous décidé de me péter les roubignoles avec vos accents là? Qu'est-ce qui se passe? Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Ce soir, on veut manger l'adversaire. On a faim. 6-4 va vous noter, vous. Votre réputation est en jeu ce soir, les gars. Vous voulez des bonnes notes? Jouez bien. Oui. Vous voulez gagner? Gagnez. Mary, ils vont ban Rook. Hein. Pourquoi ils vont ban Rook? Pourquoi ils ont ban Rook? Je sais pas, on s'est tous concertés. On a fait si quelqu'un joue avec Mary, il ban Rook forcément. Bah, vous êtes des enculés ou quoi? Ouais. C'est pas le meilleur opérateur, c'est pas le meilleur agent, quoi. Dans mes mains, c'est le meilleur. Je les ai invités. On va pouvoir y aller un jour, je pense. On va terminer vers 3h du mat. On peut jouer tous les agents? Ouais, tous les agents. Même Lyon. Bah oui, même Lyon. Même Blitz. Putain, c'est quoi cette question con? On va tous avoir un moins 1 déjà. Ah, vu le mec qui note, hein, franchement. Ouais, moi je le trouve pas au perso. Hein. Ouais, c'est vrai que. Bon, c'est le mec, il est dépassé quoi. Comparé à un certain Mary. Bah ouais, la légende. D'ailleurs, je crois qu'il a rejoint le stream là, il a remplacé. Non, j'ai refusé l'offre, ça me faisait chier. Ah non. Ouais. Allez, on ban Ibana. D'accord. C'est pas notre ban. Mais après. Mais ils vont ban Mira, c'est Gogol. C'est l'attaque. Et bah, ils vont ban Ibana. Rakal, bah tiens. Oh, comme j'avais dit. Vers qui on va noter? Allez, dites-moi ce qui pue. C'est nul. Lésion, ok. Oh, on l'a vu le petit liaison, hein? Lésion. On chope le top et on essaie de tirer le main. Bah, je crois qu'on passait par Blue. Ah bah. Oh, dommage. Pourquoi il a pas plus de décal lui? Il serait tellement mort. Ah, mes touches sont pas faites. Commencez sans moi. Génial. Non mais t'as le termite. Bah ouais, bah commencez quand même sans moi. Au niveau du poumon, là on est vraiment pourri. Hein. Pourquoi rester sur l'objectif en début de round alors que tu peux aller gratos casser au minimum un ou deux drones? Ça me fait plaisir, c'est l'équipe de Mary qui a l'air de se faire saucer et ça c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir. Regarde, t'avais Jäger bleu, ça passe les joueurs là. Toujours mieux de scope. Et la note, s'il vous plaît, sur le lésion. On note le lésion. C'est parti. Entre 5 et 6. Entre 5 et 6, vous avez choisi. Et la note finale, ce sera le 6. Moi, j'ai voté pour moi, ça. On va pas se mentir. J'ai mis 4,5. Ouais, parce que faut s'étendre. Au début, le aim était pas ouf sur le mec au niveau de la scène. Après, ça allait. C'était pas non plus complètement dégueulasse. Mais quand même, putain, rester sur le site. On peut quand même un peu aller chercher un ou deux drones. En règle générale, à moins de tomber sur une vraie H main, on peut aller se mettre dans des endroits où on peut en 2-3 secondes revenir sur site. On va aller sur Pelios, le Thatcher. Bon, si son pote dronait, le face check est pas trop dégueulasse. J'espère qu'on allait dromener quand même au niveau de cet endroit. Ce serait bien. Il a eu la cam. Aucun contrôle sur la verticalité. Et on se fait sécher par un C4 préplacé. Dans les bacs. Ouh. Du coup, est-ce qu'on peut noter le Thatcher? Ouais, on peut noter. Ouais, il va prendre la sauce. Hein. Oh, Momomotus. Et vous avez choisi de donner la note de 3.
On est d'accord. Waouh. Waouh. Et vous avez mis la note 2. Oh, égalité parfaite entre 1 et 2. Alors ça, c'est rare. Ah non, 2 a gagné. 79. Bim, dans ta tronche. Bien, ouais. Bien, ouais. Moi, j'ai mis un peu plus. J'ai mis 3. Bon, celle-là. C'était un peu tricky. Voilà, 3. Qui est-ce qui fait des kills? Zargun, on a fait. Coquit, on a fait. Sushi Fan Club, on n'a pas fait. Ashmain. Ashmain. Oh. Ah c'est bien, t'as pris une info mais... Ah ouais, t'as pris une info poulet mais... Est-ce que t'étais prêt à prendre la revenge sur la mort de ton drone? Pourquoi ne pas être rentré dans la première salle? Puis après, une fois que tu t'es aperçu qu'il y avait personne, y aller à tâtons. Une, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Plutôt que de droner jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui de toute façon va péter ton drone et du coup tu sais plus vraiment où il est. Faut resserrer les taux. La. Mais qu'est-ce que c'est que ça qu'on est en train de nous faire voir ce soir? Oh la. C'est pas du beau Rainbow Six hein. Oh la, il va se faire sécher. Quoi? Oh la. Oh la, l'autre il a pas de viseur. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? C'est le fou. Oh la, l'autre il sort dehors. Oh la, il le loupe comme une merde. Et il re-rentre et il traverse à côté. Oh la. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce soir là? Vous avez décidé d'oublier tous les cours, vous avez décidé de tout foutre en l'air. Oh là, Dozy. Oh là, si c'est Dozy, il fait aussi. Excellent. Du coup, on note qui en fait, parce que c'est allé tellement vite dans les échanges de qui c'est qui fait le plus de merde, que je sais pas, on note la hache. Non, le aim et tout, ça a l'air d'être bon, on a une capacité derrière, mais machin, mais... On perd son drone le premier, on sait pas où il est en fait. Hein. Le premier, on le perd comme sûrement pour aller chercher des informations qui servent à rien. Et puis derrière, on fait comme d'habitude, comme tout le monde dans Rainbow Six, c'est-à-dire ah bah je vais aller dans cette pièce. Y a personne là. Oh, y a quelqu'un. Bah oui, mais toi t'es là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu as pris l'information qu'il y avait quelqu'un dans le meeting, mais il y a un trou de rota. Bon bah en fait, tu sais plus s'il est dans la kitchen. Et le temps que tu rentres dans ta tour, si ça se trouve, il est déjà repassé dans le dining. Donc ça sert à rien. Avancer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, vous avez mis la... Oh là, non, mais je suis d'accord. C'est le festival, hein. Pour les raisons que je viens d'expliquer, j'ai mis la note de 3. Il y avait la règle de 3, et il y a la note de 3, pour les raisons que j'ai expliquées. Allons voir Scoffman. Après, c'est une Mira, donc bon, ça va pas être le truc le plus excitant, mais essayons de... Voyons déjà s'il y a une Mira qui a été mise au bon endroit. Ben voilà, on fait des petits trous comme il faut avec la Mira. On va les placer, ça c'est pas mal. Déjà, ça te donne déjà quelques points, ça. Au moins, il a mis ses Mira. Pas en début de game. D'abord les renforts. Ensuite, il a mis ses Mira. Il a fermé une petite porte. Il prend l'information de savoir qui est tombé. Il regarde la trappe. Il a regardé les caméras. Il était sur site. Il a que ça à foutre. Tout ça, c'est déjà pas mal. Déjà, il vient d'avoir plus de 3 là pour moi. Il va aider son pote. Il fait attention que ça bouge pas. Pour le moment, du côté de Scoffman, c'est pas trop mal. Va-t-il aider son pote? Non, il sait qu'il y a une deuxième grenade qui va arriver, forcément. Voilà, il est pas con, il y va pas. Oh non! Ouais, c'est pas mal ça. Bien joué. Dommage, à gauche, il l'a pas vu. La musique dans la porte sort et c'est des moments. Et ils viennent de se prendre 5-1 dans la gueule. Je crois que c'est le seul qui a passé la moyenne. 5,5. Et on est d'accord. En même temps, j'ai regardé, mais j'étais d'accord avec vous. J'ai eu peur. Oh non, j'ai mis otage. On le met en otage. On les prank. On voit s'il voit ou pas. Non. Ouais, y a un mec à minon. Il veut pas. Prank. Go prank. Vas-y. Ok, d'accord, ça marche. T'es prêt, vous êtes prêt? Hop là. Mais c'est de l'otage. What? C'est non. Have fun. Tachanka, ok. Non, mais il veut faire l'intéressant, là.
Ah ouais, silencieux. Ça regarde, le mec il veut faire le mariole, mais il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer la rondelle. On va noter le Tachanka qui a voulu faire le blaireau. Et on va lui mettre une note compris entre 1 et 0. Et vous avez mis 1. J'ai pas noté, hein. J'ai pas noté le Tachanka parce que j'ai dit entre 1 et 0. Ça fait 0,5. Hein. Donc y a pas besoin de le mettre avec la crêle. Hein.